Bonjour à tout le monde, j'ai cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai pris sur AliExpress, donc c'est qu'une palette. Hein. Je suis désolée pour la luminosité, mais je suis dehors, donc du coup vous voyez mon visage tout blanc, je pense, hein, parce que j'ai pas de retour caméra. Là. Donc du coup bah, j'ai ouvert, en fait je suis pas dehors, mais j'ai deux fenêtres grandes ouvertes, parce que là la luminosité, j'ai dû faire 4 ou 5 vidéos, ça allait pas du tout. Donc là je crois que ça sera pas mieux, mais c'est pas grave. Donc déjà j'ai une petite chose à dire, donc quand je vois, déjà je remercie tous mes abonnés qui sont super agréables, qui laissent des commentaires super agréables, qui me font avancer, qui me font prendre confiance en moi de plus en plus, ça je les remercie, mais par contre quand je reçois des genres de commentaires à dire oui ta vidéo elle m'endort, s'il vous plaît, passez hein, prenez la croix rouge là, la petite croix rouge là que vous avez au-dessus, puis vous cochez la croix rouge. Hein. C'est même pas la peine de regarder si c'est pour dévaloriser les personnes comme ça. Franchement, c'est vraiment pas agréable d'avoir ce genre de commentaires. Surtout quand la personne me sort, oui, mais en Espagne, il n'y a pas de Sephora. Avant de parler, déjà, il faudrait peut-être se renseigner. Parce que il y a bien un Sephora, hein. J'ai bien le ticket de caisse, hein, mais je l'ai jeté, hein, donc voilà, puis j'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver à personne. Mais je trouve ça complètement stupide de dire des choses alors que vous n'êtes même pas renseigné, quoi. Donc voilà, je trouve ça vraiment aberrant. Voilà, voilà. J'arrête de dire voilà et j'arrête de m'énerver. Je vais vous montrer la palette tout de suite. Donc la voici, donc c'est la dupe. De Too Faced, enfin la dupe, la copie, voilà, donc elle est comme ceci, il y a des mouches, hein, parce qu'on est en campagne, donc du coup il y a des mouches, et mon bête, voilà, donc je suis très mécontente de cette palette, voilà. Et à l'intérieur, ben, j'ai des fards cassés. Hein. Quand je l'ai reçu, tout était cassé. Enfin, bref, j'ai eu plein de fards cassés, quoi. Donc ça fait super plaisir. J'ai laissé un commentaire, un message au vendeur, j'ai toujours pas de nouvelles. C'est, il y avait plein de fards partout dans le... dans la palette, donc ça fait super plaisir, hein, comme je vous le répète. Je sais pas si vous allez voir. Déjà, elle se ferme très mal. Elle est tordue, en fait. Bon, je sais pas comment vous expliquer. Très mauvaise qualité, parce que là, il y a un grand écart, ici. Je vous remonte de l'autre côté. Donc, ça fait un écart. En plus, je sais pas si vous entendez, mais... oh, merde. Ça... c'est pas bien fixé. À l'intérieur, enfin, la palette est pas bien fixée. Et ici, il y a un grand écart, là. Donc, ça montre la mauvaise qualité du... de la palette, donc je suis très mécontente, franchement il y a des palettes largement mieux, genre celle-là, moi j'étais très contente, je vais vous montrer, celle-là, elle était super, elle se refermait, nickel, bon là, elle est quand même poudreuse, mais elle était nickel, mais quand je vois celle-là qui se referme, qui se referme pas quoi, ça m'énerve, je vais vous montrer quelques fards, mais je sais pas si la luminosité sera très très bien, donc là sur mes doigts, ça donne bien, mais après quand vous le swatchez, voilà, ça donne pas spécialement super super bien. J'ai essayé de me rapprocher mais je vois pas trop où je vise. Donc là c'est le violet. Hein. Je vais vous montrer des couleurs plutôt foncées. Hein. Là c'est un autre violet foncé, bleu foncé ou violet foncé. Je passe que un coup, mais quand je passe plusieurs coups, bien sûr, voilà, la couleur s'intensifie, mais... c'est pas... il y a mieux quoi. Donc là c'est un doré, je sais pas si vous allez voir. Donc, voilà, et c'est ultra poudreux. Je sais que les palettes la plupart du temps d'AliExpress sont assez poudreuses, mais là... elle est poudreuse quand même. Voilà. Donc c'est joli sur les doigts, ça c'est clair, mais alors sur le swatch... elles sont jolies, les couleurs, ça c'est clair, moi, je suis d'accord avec ça, c'est vraiment joli. Hein. Mais bon, c'est mon avis, je trouve qu'elle est mauvaise qualité, je suis pas contente, donc voilà, c'est mon avis hein, personnel.
Bien sûr, il y avait un petit papier avec les make-up qu'on peut faire avec, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Et en plus, on peut faire les tutos, c'est marqué en français et en anglais, donc ça c'est super. Et vous voyez, moi ça j'adore parce que je suis pas une experte en maquillage, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et j'en suis sûre que les voisins ils vont penser que je suis complètement jetée, que je parle toute seule. C'est pas grave, on s'en fout. Donc ma chaîne qui gueule. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu malgré mon coup de gueule, au début de la vidéo. Et moi je vous conseille pas cette palette, hein, pour être honnête. Hein. Les couleurs sont jolies, hein, mais franchement il y a mieux. Moi personnellement c'est mon avis, hein, après chacun ses goûts. Donc voilà, je verrai si le vendeur va me répondre ou pas. Je sais pas si je peux faire quelque chose avec PayPal, je sais pas, je sais vraiment pas. Je pense hein, que je peux faire quelque chose avec PayPal, mais je sais plus si j'avais payé sur avec PayPal ou avec autre chose. Donc voilà. N'hésitez pas à dire votre avis hein, sur la palette. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je suis encore désolée pour la luminosité. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein.